Bonjour à tous, ici Piero San Giorgio. Ça faisait longtemps que je n'avais pas fait de vidéo en voiture. Aujourd'hui, petit sujet, parce que j'ai le temps, sur les embrouilles. Vous savez, nous sommes dans un monde où, parce qu'il n'y a plus de règles, parce qu'il n'y a plus de règles morales, parce que nous sommes un monde d'individus, et parce que nous, depuis les années 1968, on est rentré dans une culture où on nous oblige à penser. Si je dis bien on nous oblige à penser, on nous a façonné pour penser à être des individus et que donc, en tant que corollaire, en tant qu'individu, toutes nos pensées sont valables. C'est-à-dire que si tu penses que c'est bien de manger des crottes de nez, c'est équivalent à Schrödinger, qui émet une théorie sur les chats. À l'époque, ils ne pouvaient pas mettre les photos sur Facebook, alors ils faisaient des théories sur les chats. Ceux qui connaissent la physique savent de quoi on parle. Bon, je plaisante, mais la réalité, c'est ça, c'est que n'importe quelle personne, parce qu'elle est unique, parce qu'elle est spéciale, et parce qu'on lui l'a dit depuis son enfance, eh bien, s'exprime, parle, et parle souvent avant de réfléchir, et comme on nous apprend que nous ne sommes pas responsables des conséquences de nos actes et de nos dires, eh bien, et que tout est équivalent. Une culture qui détruit tout sur son passage, c'est équivalent à une culture qui construit. Je veux dire, le rap, le slam, c'est équivalent à Mozart. Très bien, c'est ce qu'on nous a dit. Une des conséquences de tout cela, c'est que nous ne prenons jamais sur nous, nous ne mettons jamais de l'eau dans notre vin, nous ne savons plus nous taire. Et quand on parle, et quand on parle trop, nous ne savons plus gérer justement les embrouilles et les conflits. Et parce que notre ego est surdimensionné, notre individualisme a été amené comme étant la pierre angulaire de nos êtres, eh bien, nous n'acceptons pas que l'on remette en question nos pensées, nos affirmations plutôt, et nous entrons en conflit avec tout le monde. Alors, bien sûr, ceux qui vont sur Internet connaissent le troll, le trolling, le fait qu'aujourd'hui on peut dire des choses énormes dans des discussions sur Internet, des choses que l'on n'oserait vraiment pas dire en face aux gens, sous peine d'être déjà d'avoir une certaine inhibition à le dire face à une personne, mais aussi parfois par la peur. C'est vrai que lorsque vous faites 1,60 m et vous insultez quelqu'un d'1,85 m, vous pouvez le faire sur Internet, mais en vrai, c'est difficile. Donc, c'est pas fréquent en tout cas. Et donc, voilà. Donc, ça a en plus exacerbé cette tendance très très lourde. Le problème, c'est que les conflits, les tensions, les énervements, ils ont tout d'abord un effet sur notre psychisme et notre santé. C'est-à-dire que lorsque vous vous énervez contre les gens, vous vous mettez dans une position de stress. Et ce stress a des effets physiques, déjà sur la neurologie, déjà sur vos hormones. Déjà sur la production, vous allez produire des c'est ça, des hormones corticoïdes. Vous allez baisser votre niveau de testostérone d'ailleurs, et vous allez créer également, émettre énormément de noradrénaline, si je ne m'abuse pas, j'ai ça dans des notes pour un travail que je suis en train de faire, mais enfin, c'est vrai que le stress est assez redoutable pour votre santé, car justement, s'il dure longtemps, si ce n'est pas immédiat, vous savez, nous sommes faits pour gérer très très bien le stress immédiat, c'est-à-dire tout d'un coup, oh, un gros chat qui veut nous manger d'habitude, ou un ennemi qui veut nous bastonner, qui veut piquer une de nos femmes. Bon, on va être stressé, on va se battre. Notre corps est parfaitement adapté pour du stress très important à courte distance, c'est-à-dire que ce combat, il ne va pas durer 6 mois, il va durer 3-4 minutes. Le temps qu'on court, le temps qu'on s'échappe, le temps qu'on fuit, ou le temps que l'on puisse vaincre en combattant. En revanche, le stress chronique, le stress à long terme, donc à l'opposé de l'échelle, est extrêmement nuisible face à notre corps, car tout comme la plupart des animaux qui sont d'ailleurs en cage, dans les zoos, dans des endroits non naturels, nous souffrons d'être dans le zoo qu'est la société humaine, constamment stressante, avec très peu de liberté aujourd'hui. Bien moins qu'il y a 20 ou 30 ans, où nous sommes brimés, socialement, financièrement. Et donc ce stress chronique nous rend malades.
Alors, si en plus vous ajoutez le conflit, c'est-à-dire que vous êtes constamment en train d'être en bisbille, d'être énervé avec les gens, d'être énervé, voire encore pire, d'aller jeter votre argent par les fenêtres en faisant des procès, c'est-à-dire que finalement vous allez payer des avocats qui vont se mettre d'accord avec d'autres avocats et le système judiciaire pour faire traîner en longueur votre problème, parce que comme ça ils gagnent plus d'argent. Et en plus, au fond, qu'est-ce que vous allez gagner? La satisfaction d'avoir raison? Oublier la liberté, oublier la vérité, oublier la justice. Le système légal n'est pas fait pour la liberté et la justice, il faut le savoir. Croyez-moi, j'ai fait deux, trois procès, certains que j'ai perdus, certains que j'ai gagnés. Ça n'a rien à voir, et j'ai beaucoup d'amis avocats, ça n'a rien à voir avec la justice et la vérité. Ça a à voir avec le fait de faire fonctionner une machine qui est extrêmement rémunératrice pour ses acteurs, c'est-à-dire les juges, les avocats, les greffiers, les fonctionnaires qui travaillent dedans. Et donc, je vous déconseille vraiment les procédures judiciaires. Et donc, en plus, ça vous stresse parce que vous y mettez, si vous êtes sincère, vous y mettez du cœur, vous y mettez de la passion. En face, vous avez que, et on vous est entouré de lenteur et de mauvaise foi. Bref, vous allez vous ronger. Dans les plus conflits familiaux ou inter, il y a en plus dans ces conflits, donc je disais familiaux et interpersonnels, toute la problématique de l'affection, c'est-à-dire qu'en général, on s'engueule avec des gens qu'on aime bien, parce que le type qui vous fait une queue de poisson, déjà s'engueuler pour ça sert à rien, mais si éventuellement vous engueulez, bon ben voilà, puis après c'est fini, c'est pas une personne que vous voyez tous les jours. Avec vos amis proches, éventuellement vos collègues très proches, mais surtout avec les membres de votre famille, et c'est surtout là où il y a les conflits, parce qu'il y a du non-dit, parce qu'il y a il y a beaucoup d'effets psychologiques à long terme, même sur plusieurs générations, qui font que l'on a des conflits. Là, nous mettre en place des conflits dans ces situations-là, avec des gens qu'on va revoir, c'est extrêmement stressant, parce qu'à chaque fois que vous allez voir, vous allez être rongé, vous allez dire, j'ai envie de lui dire ça, mais je vais pas lui dire parce que, mais en même temps, ou alors si je lui dis, bah, ça va amplifier le conflit, parce qu'il y a des émotions, parce qu'il y a des enjeux comment on appelle ça, de chantage entre les parents divorcés, les enfants, entre les... Aujourd'hui, c'est des familles tellement décomposées et recomposées. Moi, je viens de parents qui n'ont jamais divorcé, mon épouse non plus. Donc voilà, moi, j'ai pas de grande famille étendue. Mon arbre généalogique, c'est un bâton. Enfin, en tout cas, à peu de générations, il n'y avait pas de... Ou en tout cas, pas d'autres enfants survivants. Donc, j'ai pas d'oncle, pas de tante. Donc, je suis habitué à des petites familles, mais dans des familles un peu plus étendues, les conflits ils peuvent se multiplier. Il y a des jalousies sur des héritages, sur des chantages émotionnels. Justement, chez les divorcés, il y a énormément d'utilisation des enfants contre l'un, contre l'autre. Les enfants deviennent adultes, donc ils ont des émotions suppressées. Et puis entre des fratries, il y a des jalousies parce que lui a été plus proche de la mère, etc. C'est très compliqué. C'est très compliqué, même dans les meilleures familles, même dans les familles les plus structurées, même dans les familles les plus aimantes et qui fonctionnent le mieux. Donc imaginez dans le bordel des familles qu'il y a aujourd'hui, où quasiment une famille sur deux est éclatée, recomposée, décomposée. En plus, maintenant, non seulement il y a tout ça, mais en plus, on ajoute l'aspect métissage et multiracial, où tout d'un coup, ta mère de 50 ans qui a divorcé de ton père va se ramener un black du Kenya ou de Trinidad, de je sais pas où, parce que comme ça lui fait un esclave sexuel. En échange de quoi, le mec, il a des papiers. Donc en plus, ça te coûte cher au niveau des impôts. Et en plus, tu dis, mais c'est quoi ce truc? Ta fille, elle se convertit à l'islam, elle commence à revenir avec des toiles de tente parce qu'en fait, elle a manqué d'amour, donc elle est complètement déboussolée, elle n'a pas de cadre, donc finalement, elle va prendre un truc super cadré, et évidemment, elle va choisir le truc le plus cadré, donc elle ne va pas aller choisir le musulman, je sais pas, médecin qui a réussi, elle va prendre le mec en babouche qui fout rien, qui en plus va devoir venir prendre de l'argent, puis comme vous l'aimez, vous faites l'erreur de lui filer le fric pour le mec. Enfin, on a une société où c'est du n'importe quoi. Et il y a bien pire, hein. Il y a les drogues, il y a les mecs qui se shootent, etc. Donc vous imaginez le nombre de conflits, etc. Tout ça pour dire que tous ces éléments hyper stressants qui nous énervent, en fait, non seulement ils vous pourrissent vous, au niveau de la santé, au niveau du bien-être, mais évidemment, et c'est normal, ils pourrissent les relations que vous avez avec les autres. Et en plus, ils font de vous, je pense, une moins bonne personne. En tout cas, ils font de nous tous, lorsque nous sommes en conflit, une moins bonne personne parce que nous sortons le plus mauvais. Généralement, on est extrêmement, on le sait tous, on a tous été en conflit avec des gens qu'on aime. C'est là où on sort les choses les plus piquantes, les plus blessantes, les plus
les plus méchantes. Parce qu'encore une fois, le type qui vous a fait une queue de poisson, ben vous lui dites enculé, va sucer un âne, enfin j'en sais pas, l'insulte du moment. Mais après, c'est oublié, ça passe. Lorsque vous avez quelqu'un que vous aimez bien, vous pouvez lui sortir des insultes qui le touchent de manière très personnelle parce que vous le connaissez. Souvent le cas entre amis, où vous embrouillez avec un ami, puis je dis oui, mais en tout cas, moi je couche pas avec une fille qui couche avec des autres, ou moi, en tout cas, moi, ma femme me trompe pas, parce que vous savez que la femme de votre ami le trompe, lui il le sait, mais c'est du non-dit. Voilà, vous pouvez sortir des trucs extrêmement blessants. Et donc, les gens n'oublient pas. Et comme ils n'oublient pas, ils cassent les relations à long terme. Et là où je veux en venir, avec cette courte vidéo, c'est que les relations avec les gens que vous aimez, et surtout qui vous aiment, vos amis proches, votre famille, c'est un truisme de le dire, c'est de la palissade, mais ce sont les plus importantes. Or, nous entrons dans un monde où avoir des relations fortes est non seulement vital, enfin non seulement très important, mais vital. Parce que le jour où ça va aller très très mal, vous avez intérêt à avoir autour de vous des gens en qui vous avez confiance, donc qui sont fiables, bien entendu qui ont des valeurs, des moralités, une carrure qui est proche de la vôtre, une carrure mentale, hein. Physique c'est bien, mais mentale c'est plus important. Et donc, si vous commencez à avoir des gens avec qui il y a des bisbilles sans arrêt, et en plus ça devient une habitude de le faire, en temps difficile, ça va être très très difficile parce que vous avez intérêt à ce que tout fonctionne très très bien. Les conflits sur les conneries, c'est trop tard. Et en avoir eu trop dans le passé plombe la confiance dans une situation difficile. Et donc, nous devons tous faire l'effort dans le lien social que je vous encourage à développer. Si vous lisez mes livres, vous savez qu'il y a 7 éléments pour la survie, me semble-t-il, et le 7e, qui est probablement le plus important parce que c'est le liant de tous les autres. C'est évidemment le lien social, parce qu'on ne va pas s'en sortir tout seul. Alors, on ne va pas s'en sortir avec tout le monde, ça c'est des conneries, de gauchistes qui veulent se donner bonne conscience en disant oh, « on va tous s'en sortir ». Non, non, on ne va pas tous s'en sortir, ça va être une hécatombe. Mais, quels que soient les scénarios du futur, en revanche, nous devons nous en sortir avec les amis proches et la famille. Il y a un livre récemment qui a été publié par Dimitri Orlov aux États-Unis, vous savez qu'il a fait une petite maison d'édition, qui s'appelle 150 Strong, c'est-à-dire 150 forts, c'est-à-dire qu'il reprend, c'est un livre donc, d'un auteur dont le nom m'échappe, mais que vous trouvez sur le site de club.orlov.blogspot, enfin, vous faites Dimitri Orlov, vous tombez dessus, et ce livre décrit très très bien, d'ailleurs Jack Donovan dans La Voix Virile le décrit aussi, c'est un concept en sociologie qui est très connu et qui est assez vérifié avec le temps, c'est qu'en réalité nous sommes neurologiquement fait pour avoir des relations fortes qu'avec 150 personnes. On appelle ça le nombre de Dunbar. Et ces 150 personnes qui sont proches, ce sont en général les gens que vous connaissiez lorsque vous étiez enfant au lycée. C'est en général, d'ailleurs, dans l'armée, c'est à peu près la taille d'une compagnie. Les gens que vous connaissez, avec qui vous allez au combat. C'est un village, un petit village, c'est en fait une petite tribu, parce que pendant des millions d'années, c'était la tribu, on voit d'ailleurs chez les primates, nos cousins, les singes, les chimpanzés, les bonobos, les babouins, etc., vivent en gros dans des communautés entre 100 et 200, et c'est généralement 150. Au-delà, on ne les connaît pas. Et l'être humain a gardé cette compétence. Or, franchement, combien de gens autour de vous à combien de gens autour de vous vous serez prêt à confier la vie de vos enfants, la vie de votre épouse, la vie de vos parents? 150? Beaucoup moins, bien sûr. Peut-être 3, 4, 5 personnes. Et en fait, ça montre la pauvreté sociale de notre monde, parce que nous sommes faits pour être justement avec des liens forts avec 150 personnes. Et il y a 100 000 ans, nos ancêtres qui vivaient dans les steppes, enfin, je parle pour les Blancs, hein, donc dans les steppes du Caucase et autour de la mer Noire ou de la Baltique. Pour les Africains qui me regardent, vos ancêtres qui étaient quelque part, bon, c'est bien plus que 100 000 ans, mais qui étaient quelque part dans les savanes, ils vivaient dans des tribus de 150 personnes. Et lorsqu'une personne de la tribu du groupe était attaquée ou était en péril, n'importe quelle personne de ce groupe allait la défendre parce qu'ils se considéraient tous comme étant des frères.
Alors, je sais que récemment, un écrivain intéressant, Francis Cousin, commence à réfléchir sur ces éléments-là. Il a raison. Il y en a eu d'autres avant lui, même des Lévi-Strauss dans les années 60 et bien d'autres avant, des comportementalistes en psychologie, des anthropologues, bien entendu, ont travaillé sur ce chiffre. Donc, la réalité, c'est qu'aujourd'hui, vous ne les avez pas, ces 150 personnes. Vous en avez combien? 5? 10? Vous êtes chanceux si vous en avez 10. Pour les plus chanceux, les mieux intégrés dans des groupes, par exemple dans des groupes ultra militants, dans des extrêmes, de l'extrême gauche ou l'extrême droite, c'est là où il y a encore des gens qui sont tellement attaqués par le système, enfin pas l'extrême gauche, mais par exemple à l'extrême droite, il y a des gens dans l'ultra droite qui sont tellement attaqués par le système qu'ils sont forcément extrêmement soudés, quand ils ne sont pas infiltrés par la police, mais qui sont extrêmement soudés. Et ça, c'est quelque chose d'intéressant. Moi, je l'ai vu en Italie, lorsque j'ai fait mon enquête sur Casa Pound pour Rue Barbare, le livre que j'ai coécrit avec Vol Ouest. Je suis allé les voir et j'ai découvert effectivement que dans leur groupe, c'est pas loin de 150 personnes dans chaque siège, dans chaque entité opérative, dans chaque quartier de Rome, par exemple, ils ont des groupes, et c'est pas loin de 150 personnes. Et ils sont extrêmement soudés, un coup de fil, un SMS, ils débarquent. C'est pas mal, c'est vraiment intéressant. Mais vous et moi et vous, on n'a pas 150 personnes autour de nous. Donc, pourquoi s'embrouiller avec le peu de gens que vous avez autour de vous? Donc, quand il y a un conflit, quand il y a une embrouille, quand il y a quelque chose qui ne vous plaît pas, eh bien, on va essayer tout d'abord de tempérer la chose, d'abord se dire que c'est pas si grave. Bon, évidemment, s'il a couché avec votre fille mineure, c'est peut-être grave. C'est peut-être pas votre ami. Et effectivement, ça, c'est la première étape. C'est se poser la question, est-ce que cette personne qui est dans vos amis ou dans votre famille, est-ce qu'il vaut la peine d'être dans vos amis ou dans votre famille? Et je parle bien aussi de famille. Il y a des gens dans les familles, c'est des boulets. Et c'est pas parce que c'est votre cousin que vous devez le fréquenter. C'est dommage, parce que ça, normalement, entre cousins, entre frères, entre gens de la même famille, il devrait y avoir cette force. Mais malheureusement, nous sommes dans un monde qui a tellement atomisé tout que même ces gens-là, peut-être, ne sont pas dignes d'être vos amis ou d'être en tout cas dans votre entourage, même s'ils font partie de votre famille. Et puis j'ajoute que, en plus, il y a parfois des cas, vous savez, notamment dans certaines cultures, il y a des mariages entre cousins, etc. Bref, le résultat est souvent atroce, quoi. C'est souvent des gens avec des problèmes mentaux lourds. C'est peut-être des gens que vous voulez éviter de toute façon. Donc, faites du tri, oui. Mais une fois que vous avez des gens sur des critères moraux, sur des valeurs, et qui sont celles que vous définissez, moi je ne suis pas là pour vous imposer les miennes. Mais c'est vrai que par exemple, pour moi, le fait de faire confiance en quelqu'un est très important. Et comment je vérifie que je peux faire confiance à quelqu'un? Ça commence déjà par la ponctualité. Si je lui dis, voilà, bah on se voit jeudi à 11h, c'est 11h, pas 11h05. Éventuellement 11h moins 5, mais pas 11h05, et certainement pas midi. Donc, ce qui exclut déjà une grande partie de l'humanité, de mes amis proches en tout cas. Mais voilà, c'est un critère. Parce que le jour où j'ai un gosse et j'ai un truc, je peux pas attendre. Et c'est d'ailleurs un des critères pour une femme, hein, d'ailleurs, pour les hommes. Et inversement, pour les femmes, les hommes. Vous suivez? Ok. Donc, ça, ce sont des éléments importants que vous définissez, les valeurs. Alors, pour certains, ça peut être le fait de suivre la même religion imaginaire, ok? Pour d'autres, ça peut être le fait d'avoir voilà, de la capacité de faire ce qu'on lui dit de faire. Par exemple, moi, dans mes employés, lorsque j'avais mon entreprise, ou même lorsque j'avais des subordonnés dans les entreprises où j'ai travaillé, ça, c'était un critère. C'est-à-dire, quand le type te dit « je vais faire ceci pour telle date », il le fait. S'il ne le fait pas, ça sert à quoi? Alors, s'il a un problème, il vient t'en parler avant, mais moi j'attends le résultat, point. Et puis je le paye pour le résultat, je ne le paye pas pour des heures et je ne le paye pas pour les pauses café. Je veux qu'il fasse ce qu'il dit qu'il va faire et a priori ce que j'attends de lui à la date précise et dans les qualités définies. Et s'il y a un problème, on en parle avant. Encore une fois, on essaie d'éviter les conflits. Personnellement, je suis quelqu'un qui déteste les conflits. C'est mon côté suisse. Je déteste les conflits. Et en même temps, je suis très arrangeant, ça c'est mon côté italien. Et donc, dans mon côté italien, je suis quelqu'un qui sait assez bien essayer de comprendre que veulent les différentes parties. Donc, j'ai toujours été dans mon métier un excellent médiateur, c'est-à-dire d'aller voir les gens en disant,
Bon, bah vous, vous êtes israélien, vous voulez quoi? Ah, je suis allé voir les autres. Bon, vous, vous êtes arabe, vous voulez quoi? Bon, on va faire la paix, et puis pour des milliers d'années. Malheureusement, je suis pas diplomate, non. Mais j'ai pu faire ça pendant dans des cadres d'entreprise où on va voir, voilà, un fournisseur, un autre fournisseur, un client qui ont des bisbilles, et on arrive à trouver un arrangement. Je suis quelqu'un de très commerçant et très bon là-dedans. Mais je déteste le conflit. C'est peut-être lié. Je déteste aller dans l'affrontement. Parce que je sais que pour moi, l'affrontement, il est très binaire. C'est que ça, c'est vraiment le côté suisse. C'est-à-dire, en Suisse, on ne s'insulte pas. Parce que l'insulte est considérée un truc. Je veux dire, tu mets un Marseillais en Suisse, il va très mal vivre sa présence en Suisse. Parce que le Marseillais, il va venir. Ouais, peu cher, un con. Enfin, l'autre, il dit quoi? Il m'a traité de con, tu sors le flingue. Alors que c'est pas une insulte de la part du Marseillais. Je prends des exemples extrêmes, mais je vais prendre le Marseillais qui va au Japon. Au Japon aussi, on ne s'insulte pas. Le mec exubérant qui arrive au Japon et qui. Enfin, je connais pas le Japon, je connais mal le Japon, mais de ce que je sais de la culture japonaise, c'est qu'on n'interrompt pas les gens. D'ailleurs, moi, c'est un truc que je déteste qu'on m'interrompe. On me fait signe, je vais en placer une, je me tais, je laisse parler. Mais il y a des cultures, c'est d'ailleurs dans la culture italienne, où on ne laisse jamais les gens finir des phrases. On commence notre phrase au moment où l'autre est encore en train de la terminer. Et en fait, ça fait des discussions qui n'en finissent jamais. C'est assez marrant, mais c'est pas mon style. Mais c'est pas très grave. En revanche, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on doit s'adapter avec nos amis, avec notre famille, à avoir ces valeurs, ces modes de communication, et savoir surtout écouter. Si vous êtes un bon commercial, vous savez que vous passez 90% de votre temps à écouter. Ça, c'est ce qu'on nous apprend dans les écoles de vente. C'est-à-dire le mec qui vient et dit, Monsieur, qu'est-ce que je peux faire? Vous laissez-moi vous montrer peut-être blablabla. Le vendeur de tapis, très mauvais commercial. D'ailleurs, les vendeurs de tapis, quand vous allez en Tunisie ou au Maroc, par exemple, ils ne parlent pas beaucoup. Ils vous offrent un thé, ils vous posent des questions, ils veulent savoir d'où vous venez, parce que si vous êtes suisse, vous avez plus de pognon que si vous êtes un Français. Donc, ils vont pas vous montrer la même marchandise, ils vont pas vous parler des mêmes prix. Ils sont intelligents, les mecs, ils savent leur métier. Ils vous montrent la marchandise, mais ils sont pas en train de faire la tchatche. Je sais, comme on dit, cette expression de vendeur de tapis est totalement fausse. Le vendeur de tapis se tait. Il vous pose des bonnes questions, ensuite il écoute. Il comprend ce que vous voulez. Et il essaye de trouver ce que vous voulez, parce que vous allez acheter ce que vous voulez. On ne va pas vous fourguer un tapis à 3000 euros de force. Bref. Donc, dialoguer, écouter l'autre. Dans le dialogue, il y a 90% d'écoute en réalité. Ce qui fait que si les deux dialoguent bien, si les deux écoutent, il y a beaucoup de silence. Et le silence permet la communication non verbale, qui est l'essentiel de la communication entre les êtres humains. Les regards, les mots, l'expression corporelle, chose extrêmement importante dans la négociation. Regardez la différence de peau, on regarde les yeux, les mouvements, le changement de ton, le changement de couleur ou de gestuelle. Tout ça, c'est dans la communication normale. Je pourrais vous en parler 10 jours en conférence de ça. La programmation neuro-linguistique vous permet d'identifier, bref, toutes ces techniques, etc. D'ailleurs, elles peuvent servir. Mais l'important, c'est vraiment de discuter avec les gens dont vous avez besoin. Je rencontre parfois des clients lorsque je fais du conseil pour déterminer si leur stratégie de survie est bonne. Et souvent, ils me disent, parce que c'est un élément qui pêche et qui manque chez pratiquement tout le monde, moi y compris, nous n'avons pas assez de gens avec qui, autour de nous, dans nos bases autonomes durables et autour, nous pouvons nous regrouper et avec qui nous pouvons bâtir des stratégies communes. On en a peu. Et souvent, on me dit, ah oui, j'avais un copain et on est en froid parce qu'on s'est engueulé. J'avais ce type dans ma famille, un cousin que j'aimais bien, on est en froid, on s'est engueulé. Très courant, très 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 courant. Sans parler, mon épouse, mon compagnon, ma compagne, on s'est quitté, nanana, et vivait. Très compliqué la vie moderne. On est trop à vouloir ce qui est bon pour nous. J'ai fait pareil, je fais pareil encore. Donc on doit travailler sur cette communication, sur ce lien, en sachant que c'est vital pour nous. C'est pas juste, ah ouais, c'est cool, on va aller pouvoir prendre des verres ensemble. Ah ouais, c'est cool, on va pouvoir aller à l'église le dimanche ou je sais pas où, le vendredi ou le samedi. C'est fondamental. Parce que le jour où vous avez des gros enculés qui viennent chez vous pour essayer de vous piller, violer et brûler, et pas forcément dans cet ordre, il va falloir compter sur des gens pour être là
de vous défendre et pas juste de dire non, non, c'est pas à moi, prenez, je m'en vais. Non, non, il va falloir se battre jusqu'au dernier, il va falloir éventuellement se sacrifier. Je crois que Delavier l'a dit très justement et on en avait discuté longtemps avec lui lorsqu'on se rencontre. La vraie définition de l'amour, c'est la capacité de donner sa vie pour quelqu'un. C'est pas ah oui, je l'aime ou ah, j'ai du désir ou moi, je suis prêt à mourir pour mes enfants immédiatement, sans réfléchir. Pour ma femme, peut-être. Ça dépend, peut-être. Mais pour mes enfants, c'est évident. Et pour mes camarades d'armes, aussi. Parce que je sais qu'eux feraient pareil pour moi et pour mes enfants. Et je serais prêt à mourir pour les enfants de mes camarades d'armes. C'est normal. Parce que c'est un amour. Alors, c'est un amour qui transcende le quotidien, qui transcende les relations matérielles. On est d'accord. C'est pas parce que je suis athée que je ne crois pas dans les valeurs et dans la transcendance. Mais c'est une transcendance qui est rationnelle, qui est même, je vais dire, à la limite scientifique, mais qui est rationnelle, c'est-à-dire qu'il y a un sens. Il y a un sens qui n'a pas besoin du surnaturel et de l'imaginaire. Mais je respecte les gens qui croient dans des trucs, hein, c'est pas le problème. Je veux dire, si tout le monde est d'accord et que ça fonctionne bien de croire que y a un gros asticot volant dans le ciel qui a dicté des lois et que voilà, ça marche. Je veux dire, regardez, il y a des gens qui suivent des dieux qui sont maléfiques. Objectivement, ils sont maléfiques, ils sont génocidaires, ils tuent les ennemis du peuple qui croit en lui, ils sont vaniteux, ils demandent qu'on se prosterne. Mais le peuple en soi, il fonctionne assez bien parce qu'il reste uni, il y a du contrôle social. Si tu fais pas ce que veut le dieu d'amour, il t'envoie en enfer et on décapite ou on tue les gens. Je parle pas de l'islam, hein, en l'occurrence. Et on tue tous les gens qui respectent pas les lois du dieu gentil, mais qui génocident tous les autres. Même dans le pire des cas, ça peut structurer. Donc voilà. Et je pense que ça, c'est une des pires des religions qui puisse exister d'ailleurs. Déjà que les monothéismes, ils sont un peu nuls. Mais je m'égare. Donc tout ça pour dire, d'ailleurs, je m'égare, mais pas tellement, parce que religion, religare en latin, ça veut dire relier. Et c'est vrai que ça peut être une base, si vous êtes croyant, dans laquelle trouver les amis, les gens. Parce que a priori, vous partagez les mêmes valeurs. Et donc, a priori, vous allez pouvoir sélectionner les gens qui peut-être peuvent faire partie de votre cercle intime et dans lequel vous pouvez trouver les gens avec qui vous avez la confiance nécessaire pour bâtir et réussir vos projets. Donc, je finis là-dessus. Mais j'aime bien taquiner sur les religions ces derniers temps, vous avez remarqué. J'aime bien commencer à envoyer des piques parce que j'ai envie que vous réfléchissiez sur ces trucs. Parce que souvent, souvent, vous n'avez pas le niveau. Alors j'aime bien taquiner les gens qui n'ont pas le niveau pour qu'ils puissent acquérir le niveau. Avoir le niveau, ça ne peut pas dire être athée ou. Mais les gens croyants n'ont pas le niveau de leur croyance. C'est-à-dire qu'ils y croient, mais ils y croient parce qu'on leur a appris depuis qu'ils sont enfants, par de la propagande, d'y croire et ils le font par réflexe. À la limite, j'ai évidemment plus de respect pour quelqu'un qui croit consciemment dans quelque chose, même si c'est évidemment imaginaire. Mais au moins, il le fait avec une démarche consciente et pas j'ai appris ça quand j'étais gamin et donc je répète bêtement sans me remettre en question. Il faut réfléchir par soi-même et donc ça inclut la remise en question quotidienne. Et donc, dans les relations, les remettre en question, se remettre en question, savoir apaiser, savoir remettre de l'ordre. Parfois, vous me connaissez si vous me suivez depuis maintenant presque 500 et quelques vidéos. Parfois, je me fais peur. J'aime bien avoir des discussions qui partent à droite et à gauche, en tiroir, etc. Mais en réalité, tout est lié. Alors je sais que ceux qui arrivent, peut-être dans cette vidéo, pour la première fois et qui ne me connaissent pas avant, ils se disent, mais où est-ce qu'il veut en venir? Alors je vais faire comme les religieux. Non, mais si tu veux comprendre, tu dois lire le monstre bouquin de 10 000 pages. Tu dois voir les 500 vidéos. Non, donc évidemment, je vous demande pas du tout ça. De toute façon, faites ce que vous voulez. Mais donc, juste pour dire qu'il y a une raison, enfin, il y a un raisonnement, peut-être confus, peut-être obscur. Mais il y a un raisonnement et une logique dans tout ce que je suis en train de faire. Et de toute façon, tout ça, à la fin, ça se condense dans mes bouquins. Donc, c'est dans les bouquins que vous avez le fruit de ces réflexions et les réflexions qu'on est en train d'avoir maintenant. Peut-être qu'elles seront condensées dans un livre l'année prochaine ou dans 2 ans. Mais en réalité, pour moi, elles sont déjà dans mon premier, dans Survivre à l'effondrement économique. Je vous explique déjà le lien social et je vous donne quelques éléments de base, y compris le fait d'essayer d'éviter les conflits et d'éviter les embrouilles et les emmerdes. Pour finir,
puisque le thème c'est l'embrouille, éviter toutes les combines, tous les trucs du genre, ah oui, tiens, si tu fais ci, t'auras X% moins cher, machin, tout ça. Souvent, c'est des fausses économies. Souvent, ça vous met dans des gonfles et dans des embrouilles pas possibles. Et de plus en plus dans notre monde, il y a des gens qui vous mettent dans des situations qui sont illégales. Et vous finir dans des embrouilles. Il y a des raisons fondamentales pour faire des choses illégales, et je vous en parlerai un jour, c'est trop tôt. Mais pas pour des embrouilles, pas pour des combines, pas pour le fric, pas pour économiser. Si vous... C'est pas avec des petites embrouilles, avec des trucs genre, tiens, regarde, ces téléphones, ils sont tombés du camion, j'ai un bon deal, etc. Non, pas bon. Pas, j'ai un élu qui peut t'obtenir, machin, tout ça. Non, vous... c'est pas bon. Éviter les combines bizarres. Ça m'arrive, hein. Moi j'ai sans arrêt des gens qui m'appellent en disant est-ce que tu ne pourrais pas m'obtenir tel et tel truc en 12? Mais je dis, mais t'es fou. D'abord, c'est pas mes réseaux, c'est pas mon métier. Et puis en plus, t'es fou. Tu fais des trucs légalement, quoi. Mais ça, et donc éviter les embrouilles, évite, parce que tout ça c'est du stress, c'est des problèmes. Et éviter les gens vraiment comme la peste. Moi j'évite les gens qui parlent beaucoup, qui parlent trop. J'utilise plus du tout mon téléphone. Je déteste parler aux gens qui parlent pour rien. Ça inclut pas mal de gens dans ma famille d'ailleurs. J'essaie de limiter au maximum les choses inutiles et les choses futiles. Il y a un temps pour tout, certes. Il y a un temps pour les choses futiles. Mais j'essaie de l'éviter, de le cadrer au maximum. De toute façon, avec quatre gosses, j'ai pas beaucoup de temps pour les choses futiles, on va dire. Bien que tout est futile, selon le point de vue et l'altitude que l'on prend pour voir les choses. Bref, vous comprenez le truc, si vous n'avez pas compris, recommencez cette vidéo depuis le début. Mais ça aussi, les liens avec les gens et les relations avec les gens, le fait d'éviter les conflits et les embrouilles, ça aussi, ça fait partie de la survie, ça fait partie de la vie dès à présent et dès aujourd'hui. Donc sur ce, je vous laisse, préparez-vous.